les marmousets également connus sous le nom de Zari ou Sagouin, sont 22 espèces de singes du Nouveau Monde des genres Calitrix, Cebuela, Calibella et Mico. Les quatre genres font partie de la famille biologique des Calitrichidés. Le terme « Ouistiti » est également utilisé en référence à Ouistiti de Goldi, Calimico Goeldi, qui est étroitement apparenté. La plupart des marmousets mesurent environ 20 cm de longueur. Par rapport aux autres singes, ils présentent des traits apparemment primitifs. Ils ont des griffes plutôt que des ongles et des poils tactiles sur leurs poignets. Ils manquent de dents de sagesse et leur disposition cérébrale semble relativement primitive. Leur température corporelle est inhabituellement variable, variant jusqu'à 4 degrés Celsius en une journée. Les Ouistiti sont originaires d'Amérique du Sud et ont été trouvés en Bolivie, au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Paraguay et au Pérou. Ils ont également été aperçus occasionnellement en Amérique centrale et dans le sud du Mexique. Ils sont parfois gardés comme animaux de compagnie, bien qu'il ait des besoins alimentaires et d'habitat spécifiques qui nécessitent une attention particulière. Selon des recherches récentes, les marmousets présentent un chimérisme germinal qui n'est pas connu pour se produire dans la nature chez les primates autres que les Calitrichidés. 95% des jumeaux fraternels Ouistiti échangent du sang par le biais de fusion chorionique, ce qui en fait des chimères hématopoïétiques. Les Ouistiti sont très actifs, vivant dans la canopée supérieure des arbres forestiers et se nourrissant des insectes, de fruits, de feuilles, de colle, de sève et de gomme. Ils ont de longues incisives inférieures, qui leur permettent de mâcher des trous dans les troncs et les branches des arbres pour récolter la gomme à l'intérieur. Certaines espèces ont des mangeoires spécialisées sur la gomme. Les Ouistiti vivent en groupes familiaux de 3 à 15 personnes, composés d'une ou deux femelles reproductrices, d'un mâle non apparenté, de leur progéniture et parfois de membres de la famille élargie et d'individus non apparentés. Leurs systèmes d'accouplement sont très variables et peuvent inclure la monogamie, la polygynie et la polyandrie. Chez la plupart des espèces, des jumeaux fraternels naissent généralement, mais les triplés ne sont pas inconnus. Comme les autres Calitrichines. Les marmousets se caractérisent par un degré élevé de soins coopératifs envers les jeunes et un certain partage de nourriture et un vol toléré. Les mâles adultes, les femelles autres que la mère et les descendants plus âgés participent au portage des nourrissons. Les pères marmousets sont un exemple exceptionnellement attentif de pères dans le règne animal, allant jusqu'à aider leurs compagnons à donner naissance, à nettoyer la prénaissance et même à mordre les cordons ombilicaux attachant leur progéniture nouveau-née à leur mère. La plupart des groupes sentent et défendent les limites de leurs aires de répartition, mais on ne sait pas s'ils sont vraiment territoriaux, car les domaines vitaux des groupes se chevauchent grandement. Thank you.
La nourriture préférée des marmousets est la sève des arbres riches en glucides, qu'ils atteignent en rongeant des trous dans les troncs. Leurs territoires sont centrés sur les arbres qu'ils exploitent régulièrement de cette manière. Les ouistitis plus petits s'aventurent jusqu'au sommet des cimes forestières pour chasser les insectes qui y sont abondants. La capacité à grimper est importante pour les ouistitis pygmées, car la sève des arbres est leur nourriture préférée. Ils montent et descendent les arbres et les vignes épaissent la tête la première et creusent un trou dans l'écorce ou la vigne avec leurs dents inférieures acérées, en utilisant un mouvement de sciage de haut en bas. Lorsque la sève se forme dans le trou, ils la lapent avec leur langue. Les ouistitis pygmées ont certains arbres qu'ils aiment sur leur territoire. Ils peuvent faire jusqu'à 1300 trous dans chaque arbre. Parfois, ils guettent des insectes, en particulier des papillons, qui se nourrissent des trous de sève. Les marmousets mangent aussi du nectar et des fruits. La période de gestation d'une mère ouistitis pygmée est d'environ 4,5 mois et elle peut donner naissance tous les 5 à 7 mois. Elle a presque toujours 2 bébés, mais dans les eaux, les ouistitis pygmées ont eu 3 ou même 4 bébés dans une portée. Chaque nouveau-né a à peu près la taille d'un pouce humain. Le père aide à mettre au monde les bébés, les nettoie, puis prend en charge leurs soins. Les nouveau-nés sur le dos pendant leurs 2 premières semaines, les ramenant à la mère pour les allaiter. Les frères et sœurs plus âgés peuvent aussi aider. Lorsqu'ils sont un peu plus âgés, les bébés se cachent pendant que le reste de leur famille cherche de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour voyager avec le groupe. Dans leur habitat forestier, leur plus grande menace est le commerce des animaux de compagnie, en raison de leur petite taille, de leur apparence câline et de leur visage attrayant. Nous ne pouvons pas l'exprimer assez, les singes ne font pas de bons animaux de compagnie. Les États-Unis ont interdit l'importation de primates et la plupart des pays d'Amérique du Sud n'autorisent plus les exportations de primates. En soutenant la San Diego Zoo Wildlife Alliance, vous êtes notre allié pour sauver et protéger la faune dans le monde entier. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Thank you.